Oui, Belgrade, Belgrade. Cette ville, encore endormie au bord des deux immenses fleuves qui s'y rejoignent, la Save et le Danube, cette ville que durant les premières images de ce film nous avons voulu anonyme, pareil à tant d'autres villes en Europe, c'est Belgrade, capitale de la Yougoslavie. Il est donc 5 heures du matin et nous sommes au mois de juillet. Et voici que dans le soleil tout neuf des rues, pour l'instant abandonné au seul pépiment des oiseaux, un homme marche qui vient de sortir de chez lui. Il s'est levé avant tous les autres habitants de cette ville, pourtant matinale. Il a dit au revoir à sa femme, enveloppé son casse-croûte, embrassé sa fille et est parti vers son travail, vers la locomotive qui l'attend là-bas au dépôt de la gare centrale et dont il est le mécanicien. À 7h30 tout à l'heure, le train qui arrive de Paris, de Venise, de Zagreb, le Simplon Orient Express, va faire son entrée en gare de Belgrade. Quelques minutes plus tard, c'est à ce mécanicien et à sa machine qu'aura aujourd'hui échu la tâche de prendre le relais et d'entraîner plus loin dans sa course vers le sud le convoi qui vient de Paris. Encore quelques minutes à attendre, il est 7h du matin. Depuis 34 heures sans arrêt vers Belgrade, le Simplon Orient Express roule. Notre propos est simple, vous faire vivre ces 34 heures et à leur suite, celles qui vous amèneront vers ces capitales qui font rêver les amateurs de départ, Athènes, Istanbul. Eh bien, nous revoici l'avant-veille au soir. Le Simplon vient de quitter le quai et ses derniers wagons ferraillent encore sur les aiguillages de la gare de Lyon. Ceux qui restent rentrent chez eux, reprenant qui leur voiture, qui leur métro ou leur autobus. 19h54. Dans une accélération formidable, la 2D2, motrice électrique de grande vitesse qui tirera le convoi jusqu'à Dijon sans arrêt, saute la Marne en quelques secondes et, un dernier essai de freins effectué, entreprend d'abattre les kilomètres à raison de 2 par minute et cela pendant 3 heures. Et dans la nuit qui va lentement descendre, ces deux hommes et leurs machines vont avec le plus grand naturel accomplir une sorte de miracle. Déplacer 800 tonnes à une allure effarante, dans une sécurité totale, sans jamais aller au bout des possibilités du matériel, effaçant les courbes et les viaducs, gommant les gares, ridiculisant les pourcentages de côtes, télescopant les uns dans les autres des noms qu'une optique révolue plaçait à distance respectueuse, Sens, Joigny, Auxerre, Avallon, éveillant les échos d'une province en train de s'assoupir et qui n'accorde plus à ce miracle défloré par sa fréquence et sa régularité que l'attention distraite due à un bruit à peine insolite. Express à 22h26 à l'heure. Nuit sur Rivière. Le 25313, arrivé à 22h30 à l'heure et au garage. Le 25313, arrivé à 22h30 à l'heure et au garage. Blaisy. Blaisy. Le train 5, Saint-Honorien Express, à 22h31 à l'heure. Le train 5, Simplon Orient Express, à 22h31 à l'heure. Terminé. Voilà. Cette image du Simplon Orient Express se laissant couler comme une masse vers le sud, nous venons de nous laisser tenter par elle. En voici à présent le terme, Dijon.
C'est ici que la traction électrique que nous retrouverons cède pour la première fois la place à la vapeur. C'est également à Dijon que nous allons faire connaissance avec le premier voyageur. Le voici qui descend de son wagon-lit fumer la cigarette qui précède le sommeil. Profitons-en pour le présenter, Monsieur Untel, premier violon solo d'un orchestre symphonique parisien qui s'en va précisément à Venise pour une série de concerts. Pour lui, l'attrait du voyage est double. Il y a d'abord Venise, qu'il ne connaît pas encore, et puis ces 16 heures de train, cette nuit en wagon-lit, qui, pour le parisien casanier qu'il se trouve être, représente en eux-mêmes une aventure. Rien de ce qui est ferroviaire ce soir ne lui restera étranger. Mais voilà qu'il a déjà fallu réintégrer le compartiment. Tiré cette fois par une puissante locomotive à vapeur, le Simplon s'ébranle vers la Suisse, vers Lausanne. Nombreux sont ceux qui, dormant déjà, ne se seront même pas aperçus de la halte. Notre musicien, lui, gageons qu'il va mettre un certain temps à se laisser gagner par le sommeil. Cependant, dans les wagons-lits, la vie nocturne s'est organisée. Les conducteurs, qui vont épargner aux voyageurs les multiples soucis des frontières à traverser, réunissent entre leurs mains les passeports, des passeports de toutes langues et de toutes couleurs, qui rendent compte d'une précaire géographie humaine, faisant voisiner au hasard d'un wagon l'industriel français qui se rend à Belgrade et la touriste anglaise amoureuse de Venise. Et c'est l'habituelle succession de demandes qui précède le sommeil, du paquet de gauloises nécessaire à l'ingénieur pour s'endormir, à l'eau minérale indispensable au repos de la touriste. Quant à notre musicien... Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a pour votre service? À quelle heure arrivons-nous à Venise, s'il vous plaît? Oh, environ vers midi, monsieur. Et merci. De rien. Enfin, le convoi ralentit. C'est Frane, dernière gare en territoire français. Excusez-nous de vous déranger, monsieur, c'est la douane. Avez-vous quelque chose à déclarer? Non, rien. Si, j'ai mon violon, là. Et uniquement des affaires personnelles? Oui. Et parfait. Eh bien, monsieur, bon voyage. Je vous remercie. Rendu au repos, le musicien retourne à ses rêves un instant interrompu. Et à quoi peut rêver un musicien qui se rend à Venise pour la première fois, sinon à Venise même? Lausanne.
Non, il n'est pas encore temps d'interrompre l'enchantement qui nous lie à Venise. Le rêve de notre voyageur, abandonné au confort de son compartiment, a permis au jour de poindre. La Suisse, traversée de part en part, c'est le tunnel du Simplon que nous venons de quitter, et c'est dans une motrice suisse que nous dévalons vers Domodossola et la frontière italienne. Toute la nuit, pour permettre à un musicien français de se rapprocher de cette Venise dont il rêve, des mécaniciens auront guidé le convoi de Valorbe à Lausanne, puis le long du Léman, puis dans la vallée du Rhône. Si une motrice et des mécaniciens italiens peuvent prendre maintenant le relais du Simplon Orient Express vers Milan, tout au long des admirables paysages du lac Majeur, c'est grâce à ce tunnel du Simplon, le plus long du monde et dont on célèbre en 1956 le cinquantenaire. Alors que s'annonce la banlieue milanaise, retournons-nous une dernière fois vers ce tunnel entièrement suisse que nous avons traversé dans un demi-sommeil et qui a rendu le Simplon Orient Express possible. Milan. Quelques minutes d'arrêt, le temps d'accrocher le wagon-restaurant, et déjà le train est reparti. La sonnette du petit déjeuner rappelle impérieusement à tout un chacun qu'une bonne nuit de sommeil n'est pas complète sans une bonne collation et nous permet de renouer avec Monsieur Intel, musicien français, qui, nous semble-t-il, ne sera pas le dernier à table.
faisons avec lui connaissance du wagon-restaurant italien. Pour nous apercevoir très rapidement que c'est précisément autour du café et du thé matinal que se trouve le mieux matérialisée cette précaire géographie humaine dont nous parlaient hier soir les passeports. Voici la fille d'un consul en Grèce, l'industriel qui avait besoin d'un paquet de gauloises. La touriste anglaise. Il y aurait un jeu passionnant à essayer de mettre des personnalités derrière tous ces visages, n'est-ce pas, monsieur un tel? Votre vis-à-vis, par exemple, qui peut-il être? Bien envahissant, d'abord. Un café, s'il vous plaît. Pas français, en tout cas. Un peu trop gelé pour cela. Pas anglais non plus. Hollandais, peut-être. Belge ou hollandais? Visiblement en vacances. Un touriste hollandais qui va visiter Venise, voilà. Évidemment, savoir ce qu'il lit et en quelle langue nous aiderait bien. Et les dernières heures de la matinée se déroulent, occupées par chacun aux besognes dont on remplit les heures creuses de voyage. La contemplation du paysage pour notre touriste hollandais qui se rend à Venise. Une relecture des quatre saisons de Vivaldi pour notre violoniste. De la correspondance pour Mademoiselle X de Bordeaux, connue dans le cercle familial pour ses qualités d'épistolière. Enfin, c'est l'approche de Venise. Le convoi ralentit sur la lagune. Monsieur Untel rêve à l'image restée vivace du songe de la nuit et se demande si la réalité lui ressemblera. Et ce que trouve Monsieur Untel, c'est le bruit, le mouvement, la couleur. Le bruit, surtout. Oh, ce n'est pas une déception, non, c'est un étonnement. Une distance supplémentaire qui va s'ajouter à l'image qu'il se faisait de la ville des Doges. Très vite séduit par la vie surprenante de tout cela, faisons-lui confiance pour savoir retrouver derrière les mille bruits de la cité le chant intime et profond de la Venise secrète dont il a rêvé. D'ailleurs, il s'y essaye déjà. Au lieu du vaporetto conseillé au départ, ne se laisse-t-il pas aller au luxe d'une gondole, l'instrument de ses songes de la nuit passée? Mais le train, lui, est déjà reparti, nous remettant en face de qui? Sinon du fameux touriste hollandais qui, somme toute, n'allait pas à Venise. De plus, l'attrait du repas nous livrant le secret de ses lectures, nous nous apercevons qu'elles ne sont rien d'autre que françaises et techniques, par surcroît. Ce monsieur est tout bonnement un ingénieur qui se rend à Belgrade en mission. Et c'est après avoir satisfait à la tradition française bien établie de l'apéritif que notre ingénieur, un œil sur son assiette, un autre sur le paysage, verra se dessiner les approches de Trieste, le bord de l'Adriatique. Là-bas, d'autres mécaniciens, dans une nouvelle motrice électrique, ont à leur tour la tâche d'entraîner le convoi selon des horaires fixes vers la frontière yougoslave. Et Trieste, une fois dépassé, c'est sur une machine du même type, selon les mêmes méthodes, que le mécanicien yougoslave foncera vers Ljubljana. Par-dessus les frontières, le train continue, et c'est une même pensée de collaboration internationale qui préside à sa marche. Oui, la frontière est dépassée depuis longtemps. La traction vapeur a de nouveau remplacé la traction électrique. Le conducteur du wagon-lit Paris-Belgrade rend à qui de droit les passeports dûment timbrés à Poggio Reale et à Cesana, cependant que se déroulent les paysages des Alpes juliennes, et que la nuit tombe lentement sur la vallée de la Save.
Deuxième nuit de voyage, deuxième nuit où les voyageurs, inconscients de toute cette immense organisation qui travaille pour leur assurer la route, perdront la notion de la distance parcourue. Ces lumières à peine devinées, tôt perdues, ce sont celles de Zagreb. Tout à l'heure, nous serons à Belgrade. Belgrade. Un sifflet de train au loin, et c'est devant le mécanicien du début de cette histoire que défile le Simplon Orient Express, entrant en gare de Belgrade après 34 heures de route. La boucle est bouclée, close la première partie de notre voyage. Mais il ne s'agit pas ici d'un repos, à peine d'une étape. Quelques minutes d'arrêt seulement, juste le temps d'accrocher encore une locomotive, juste le temps d'essayer de faire connaissance avec le visage de quelques Serbes. Suffisamment de temps néanmoins pour nous rendre compte que l'atmosphère d'une grande gare est absolument la même dans quelque pays que ce soit, et qu'en ce début de mois de juillet, ce sont les vacances qui sont la principale préoccupation des gens, et le départ des enfants en colonie, le principal souci de beaucoup de mères. Mais le train, une fois de plus, n'attendra pas. Une minute plus tard, c'est notre tour de partir. Le long ruban d'acier qui s'allonge devant nous, c'est celui qui mène au pays qui garde le prestige des lieux célèbres et mal connus, la Grèce et la Turquie, double terminus du Simplon Orient Express. À travers tout le sud de la Yougoslavie, la locomotive nous entraîne vers une nouvelle frontière, vers une nouvelle étape, Salonique. Encore une traite qui va durer toute une journée le long de la vallée du Vardar, et pendant laquelle va se dérouler la classique ordonnance de la journée du voyageur international, au bon accomplissement de laquelle le conducteur apporte tous ses soins. Et après un passage de frontière qui ne manque pas de ressembler à tous ceux qui l'ont précédé, c'est la Grèce et Salonique. Salonique, où nous arrivons à minuit et dont nous ne connaîtrons que ces quelques images, ces quelques pancartes malaisément lisibles, un lampiste entrevu sur un quai, mais Salonique qui représente la plaque tournante du Simplon Orient Express, l'endroit exact où il se scinde en deux branches, l'une vers Athènes, l'autre vers Istanbul. Ce soir, Athènes sera notre but. La troisième nuit de voyage passée, c'est le réveil en face du mont Parnasse, l'authentique, le domaine des muses, puis la traversée de l'Attique. Nous avons deux heures de trajet pour faire connaissance avec ce paysage brûlé de soleil, d'une netteté et d'une pauvreté égales, où presque tous les noms de stations entrevus au passage sur des frontons de gare rappellent des souvenirs classiques. Mais cependant que le train se faufile vers Athènes, de vallées desséchées en plateaux poudroyants, faisons un bond en avant. Abandonnons le train. Nous voici sur la place de la gare d'Athènes, aveuglante de soleil. Le Simplon va arriver dans 10 minutes. Que peut-il représenter pour, par exemple, le chauffeur de taxi athénien qui en attend la clientèle? Nous allons le voir. Pour l'instant, Constantin Alexandropoulos vient d'aller acheter le journal. Comme tous ses confrères dans tous les pays du monde, c'est pour en faire les mots croisés. Et ce qui l'occupe pour l'instant, c'est de trouver un mot de 7 lettres signifiant un grand fleuve d'Europe. Heureusement, le Simplon Orient Express se matérialise pour lui sous la forme d'un client qui arrive tout droit du train. Athénée Palace, bien monsieur, voilà. C'est la course normale du train international à l'hôtel international. Constantin, c'est généralement à ça que se résument les connaissances qu'il a du train qui vient de Paris, à ces 3 minutes de course entre la gare et le centre-ville. Après quoi, le client paye et puis bonjour. Ah, cette fois-ci, le scénario semble devoir être un peu différent. Au moment de payer, le client se ravise. Attendez-moi 10 minutes, je vous garde pour la journée, nous visiterons Athènes ensemble. Bien, monsieur. Constantin en a vu d'autres et se remet tranquillement à ses mots croisés. 10 minutes, pas une de plus, et voilà notre étranger redescendu. On embraye et c'est le départ pour une visite circonstanciée d'Athènes et des environs. Ah, certes, Constantin ne s'attendait pas à ça. Le client va lui faire comprendre qu'il a réussi à distraire une journée dans son horaire de travail et qu'en une journée, il veut tout voir. Si bien que notre chauffeur va se trouver transporté de monument en monument, de vieille pierre en vieille pierre, de temple d'Éole en temple de Jupiter,
d'église byzantine en mosquée, à la merci d'un guide rédigé dans une langue étrangère et qui prétend catapulter le touriste en 24 heures et lui donner en ce très court laps de temps la notion de 25 siècles d'histoire. C'est d'autant plus désagréable que le client prend son temps pour visiter les lieux célèbres et piocher sa littérature de voyage, mais qu'entre les endroits consacrés, il faut aller vite, toujours plus vite, dans un festival de portières claquées. Constantin, de rage, en abandonne ses mots croisés. Pour comble, il prend fantaisie à notre touriste accéléré d'aller faire un tour au fameux temple de Poséidon, à Sunion, pointe extrême de l'Attique sur la mer, ce qui équivaut pour Constantin à déjeuner d'un sandwich. Or, il est bien connu dans tous les pays du monde que les chauffeurs de taxi détestent déjeuner d'un sandwich. Ce qui se corse en Grèce de l'obligation d'attendre le client pendant des heures sous la tôle bouillante du toit de la voiture. Obligation d'autant plus pénible que le client, épuisé de soleil lui aussi, profite de la proximité de la mer pour prendre un petit bain en cavalier seul. Enfin, c'est le retour vers Athènes où reste à visiter le plus grand ensemble de la capitale grecque, celui pour lequel en réalité on est venu, l'Acropole. Attendez-moi ici, j'en ai pour une petite heure. Une petite heure, c'est vite dit. Seulement voilà. Lorsque l'on monte à l'Acropole, il est imprudent de s'engager à en descendre à une heure précise. L'extraordinaire beauté qui se dégage de l'ensemble des propylées, du Parthénon, de l'Érechtheion et du temple d'Athéna est telle que le temps perd pratiquement toute importance. Seul importe la manière dont le soleil tourne autour des pierres. Alors les heures peuvent s'écouler, cela n'a plus aucune valeur précise. Déjà une heure de retard. Les réserves de patience de Constantin seraient depuis longtemps épuisées si la vérité n'obligeait pas à dire que son magnifique taxi tout neuf n'est pas à lui. Il n'en est que le chauffeur. Or, une journée comme celle d'aujourd'hui, aussi excédente soit-elle, ne manquera de faire beaucoup pour l'équilibre du maigre budget de Constantin Alexandropoulos. Sept heures et demie. Dans le soir qui descend, notre touriste, inconscient du temps qui passe, se laisse prendre au charme incomparable de l'Érechtheion et de ses cariatides. Neuf heures. Là, vraiment, il exagère. Dès qu'il va être descendu, C'est beau, n'est-ce pas? Voilà tout ce que le coupable trouve à répondre à la mimique de Constantin. Et toute la colère de celui-ci cède soudain devant cette petite phrase. Eh oui, c'est beau. Et lui n'aura eu qu'une journée pour tout voir. On ne peut pas lui gâcher cette seule soirée à Athènes, quand même. Minuit. À des centaines de kilomètres au nord, à Salonique, devant les mêmes pancartes et le même lampiste, un autre simplon Orient Express entre en gare. Et c'est ici que notre propos ferroviaire nous reprend. Cette fois, il s'agit du Paris-Belgrade-Salonique-Istanbul. Reprenons-le au vol, il nous reste à découvrir la métropole turque. Et si nous nous intéressons à cette drésine précédant notre train d'une heure dans le même sens et sur la même voie, c'est qu'elle transporte l'ingénieur qui surveille les équipes chargées de l'entretien et surtout de la modernisation du tronçon de parcours grec Drama-Alexandropolis. Et le travail de chacun de ces hommes nécessaire à ce que le simplon passe quand même, et cela dans des conditions de vitesse et de sécurité chaque jour améliorées.
et le simplon passe, suscitant dans chaque pays, dans chaque gare, des remous de curiosité devant les wagons bleus qui portent les noms célèbres des capitales de l'Occident, Paris, Lausanne, Milan, Venise. Enfin, c'est Istanbul. Oui, Istanbul, bien sûr, c'est la capitale de l'Empire d'Orient. C'est Sainte-Sophie, c'est la mosquée bleue que nous venons de voir, c'est le calme des petites rues, la paix du cimetière d'Eyup qui domine la ville et qu'a chanté Pierre Loti. Mais ce qui nous a beaucoup plus frappé que tout cela, c'est l'existence affirmée, éclatante, d'une Istanbul actuelle, vivante, s'insérant sans effort dans l'ancienne, et dont le centre est un pont unissant les deux parties de la ville par-dessus la Corne d'Or, l'extra... Et voici maintenant que notre propos s'achève. Sur ces images qui nous éloignent d'Istanbul, il semble que doivent s'inscrire les mots d'une conclusion. On pourrait dire, Simplon Orient Express, cette grande artère internationale, nous a mené au bout de sa course. Elle nous a fait traverser les capitales aux noms prestigieux, Venise, Belgrade, Athènes, Istanbul. Son rôle est donc terminé. À partir d'ici commence un autre monde, débute la matière d'une autre enquête. Eh bien non. Ce bateau que nous avons pris, ce n'est pas un vaisseau de haute mer, c'est l'autobus. Seulement, au lieu de faire Madeleine-Bastille, il joint le pont de Galata en Europe à la gare d'Haïder Pacha en Asie. Un quart d'heure de trajet d'un continent à l'autre par-dessus le Bosphore. Et si le Simplon Orient Express a terminé sa course, d'autres grands trains poursuivent sa mission, prennent le relais vers l'est, vers les profondeurs de l'Asie. Non, le Bosphore, mince trait d'argent entre deux rives prestigieuses, ne sépare plus deux continents. La continuité ferroviaire s'affirme d'un côté comme de l'autre. Le Taurus Express que voici en est la preuve. Paris-Istanbul par le Simplon se prolonge d'Istanbul à Ankara et Bagdad par le Taurus. Et ce croisement dans une petite gare d'Anatolie du Taurus Express et de l'Ankara Express qui revient sur Istanbul, de l'Ankara Express qui est l'un des trois seuls trains entièrement composés de wagons-lits qui soit, nous laisse deviner l'importance de cette artère ferroviaire. Importance confirmée encore par la présence sur la ligne de trains automoteurs rapides, dernier mot de la technique des chemins de fer dans le Proche-Orient.
Celui-ci, qui fait le service journalier Istanbul-Ankara, part d'Istanbul une heure après le Taurus Express, trouve le moyen de le doubler en route, ce que nous allons voir, et arrive dans la capitale turque une heure avant lui. Tout ce déploiement ferroviaire signifie bien sûr quelque chose. La volonté de faire des chemins de fer turcs l'équivalent et le prolongement de la réalisation européenne des grands trains internationaux. Car pensons-y, si nous pouvons nous permettre par ces images de vous faire découvrir l'altière et âpre beauté du plateau d'Anatolie, c'est aussi grâce au Simplon Orient Express, grâce à tous ceux qui le pensent et le font. Depuis le mécanicien de La Roche-Migène qui l'autre soir a effectué le premier relais, depuis le régulateur de Dijon Nord, depuis ce conducteur qui, entre Dijon et Frasnes, s'est occupé de notre repos. Pensons à ceux, Suisses, qui, alors que nous rêvions de Venise, nous ont menés de Valorbe à Domodossola. Et voici ceux dont la motrice dévalait vers Milan. Les stewards du wagon-restaurant italien. Le mécanicien de la motrice de Trieste passant le flambeau à son confrère yougoslave. Un regard encore sur le premier héros de cette histoire, le mécanicien de Belgrade. Un dernier merci à ce conducteur serbe. Aux cheminots grecs qui font tout pour que le Simplon passe. Et voici le périple terminé. Oui, chacun de ces hommes, à sa place et dans la mesure de ses moyens, a contribué à faire du Simplon Orient Express et de ses prolongements asiatiques un des plus exaltants exemples de collaboration internationale qu'on puisse imaginer. Nous ne croyons pas qu'il y ait de plus beaux compliments à leur adresser.